주의 사랑하니 On dit que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi, je vais jouer à la frère, je dis, c'est vrai. Si ce n'est pas de grâce, bon Dieu, par un qui côté de taille. Mais heureusement, malgré tous les dangers, tous les noisseurs de ce monde qui nous courent, nous-mêmes, nous étions un peuple qui couvrit par espoir et par grâce, mon Dieu. Et c'est ça qui fait parfois, même si la règle apparaît dure, mais à cause d'espoir de guérir, nous disons bénédiction à l'éternel. Nous sentons-nous contents de nous capables de rejouer nos matins. Premièrement, parce que bon Dieu, tu es choisi pour nous laver. Et deuxièmement, nous contents parce que. L'aime garder l'assemblée, je me sens la caille. Non seulement j'ai une famille moi-même, j'ai des amis qui sont là, j'ai des professeurs qui sont là. C'est ça qui fait nous content. C'est seulement avec une parémie, elle demande des visiteurs pour camper. Moi, je ne suis pas camper. Je la souhaite de venir prendre encore la main ici à même Jacqueline. Ok? Donc, si on veut l'aider, c'est bien. Si c'est ça, mon Dieu, c'est bien. Bon, on connaît la charge à visiter. Et heureusement, ma copine, il n'y a pas de carte, tout bon, content. Et nous remercions, comme pasteur Allah, comme direction de l'église, qui a fait choix nous-mêmes, nous capables de bonnes paroles. Et nous vraiment apprécions les amis qui viennent adorer avec nous. Et c'est même grâce là qui continue. Guéons salutation, bon, ou bien on va on dit, ou bien on support mon bon, c'est grâce pour Dieu. D'ailleurs, figure nous pas belle déjà, si c'est ma figure à acheter. Si c'est figure à acheter, on va jouer. Sauf qu'on apprécie ça et m'apprécier pour moi. Artiste qui a chanté. Ce qu'on est là, il connaît le groupe qui est là dans le parti. Ce qu'on est là, il connaît un groupe qui est là. Ce qu'on est là, Mikanor, c'est moi qui parle de nous. Ce n'est pas au cas où il est encore. Nous comptons voir Mikanor. Et c'est même ça, tout là, parce que je me croise avec la terre de Yoa. Il dit, il est fouet. Et moi, c'est quoi, c'est pas figure là, pas acheter, c'est grâce à Dieu. Et amen. Nous remercions les familles qui toujours supportent nous dans toute sa affaire. Ma mère, je vais faire un campé, monsieur, certain tout le monde est animé de moi, ni petit moi. Et bah oui, les autres font mon petit Jacques Sanchez sous ça, parce que je vais prêcher dans l'église. Et l'église, c'était pour famille, moi, qui t'ai présenté, mais famille, moi, tellement connue, qui présentait ma dame, moi, petit moi. Je finis de prêcher. Et puis, comme je dis comme ça, oh, that was good, you for a good job. Et puis, comme ça qui passait, il dit non, pas de présenter madame. Si je suis certain, il te présente madame, tout le monde te voit, il ne pas présenter madame, il ne pas obligé de présenter madame. Ça nous tous crèche sur ça. Encore une fois, je nous dis, c'est un privilège et c'est une grâce, mon Dieu, toujours accompagne nous à chaque fois. Donc, il y a chance pour nous capables de porter parole, Seigneur. Et nous demandons pour qu'on puisse prier dans le cœur et participer avec sa compote pour tout le monde capable de jeûner afin que nous tous qui venons là, nous sommes capables de dire oui, présent Seigneur, tu es là ensemble avec nous. En mathématiques, plus précisément dans la trigonométrie, et dans les disciplines telles que l'astronomie et la navigation, il y a une méthode plus utilisée pour mesurer, c'est le bagage qui est le degré. Est-ce qu'il y en a? Tout le monde qui l'a consacré le degré, pas vrai? Bien. Il y a une méthode qui est extrêmement importante, autant dans l'Antiquité et même dans le moment actuel qu'on a vécu. Et c'est ça qui fait pour nous
qui ont dit j'ai toujours fait attention à conseiller le bagage. De pour eux, on sait tout le monde. Tout le monde connaît ce que ça gagne 360 degrés là-dedans. Nous tout parlons ça. Tout le monde connaît, on sait qui était petit, qui était gros, tout le monde est dans. Pour les marques qui montent dans la tête, dès que vous commencez à diviser 5 ça en 4, on joue 360 degrés là-dedans. Mais est-ce que j'ai demandé, parfois, pour qui ça, ces chiffres 360 degrés, ça vous mettez dans 5 ça? Pour qui ça n'est pas 100? Pour qui ça n'est pas 200? Pour qui ça n'est pas 400? N'importe numéro de vérité. Pour qui ça n'est pas 620? Peut-être 620, c'est le numéro que tout le monde connaît. Et le fait que si ça t'a passé dans tes tours, nous allons passer très pour souris pour garder une idée. Pour qui ça et quand elle sorti? Premièrement, il a utilisé numéro 360 ça. C'était une excellente idée de un Babylonien qui n'a pas mentionné le nom. Et ça a été 4000 ans de cela. Depuis que Bagassa a vu. Première raison, c'est que il y a une théorie qui est mise que j'espère tout le monde connaît ou bien tenté déjà. La rotation de la Terre autour du Soleil avant 687, ça n'a pas longtemps, oui. Il dit qu'il faisait un tour de 360 degrés. Ou du moins 360 jours. Non pas 365.25 que qu'on a utilisé. Et deuxièmement, la raison c'est parce que dans tant longtemps, les Babyloniens, chiffre 60 là, c'est le même qui est le chiffre de base pour eux. Et troisième raison, c'est que 360 degrés, c'est un chiffre qui est plus facile pour diviser de 1 à 10, excepté le chiffre 7. Et si vous continuez à aller au point 11, 12, point 14, point 18, point 80, 45, ainsi de suite. Ce qu'on est là, si Terre virait autour du Soleil, chaque jour, la virait, son motion, ça fait comprendre que Terre a déplacé environ chaque jour, environ 1 sur 360. Est-ce que c'est vrai? Ce jour, c'est qu'on a gagné 360 degrés là-dedans. Sur 360 degrés là, et c'est le suite qui est venu diviser en plusieurs parties. Et c'est ça qui fait, ouais, à partir de début jusqu'au Nielan, ou bien année, dans tel longtemps, on dit que 360 jours, now, on dit 365 jours, et on prenait les choses, c'est parce que je devais connaître combien de temps Terre a viré autour du Soleil qui prend 360 degrés. Hein? Qui fait dans l'ancien calendrier de tout année à contrôler de 360 jours. Mais quand même, l'idée avant la même, c'est pour vous comprendre. Of the 360 degrees, dans 360 degrés, ça, ou qu'à aller dans la ville, guérillons dans des degrés qui unis à vous-même. And no matter what you do, degrés ça, lui-même unis à vous-même. Et de grands programmes sont des programmes qui sont bien personnalisés avec une raison bien particulière que bon Dieu même lui-même mettait en œuvre. De grands avons gagné la carrière. C'est un coach-driven program qui l'a pour aider dans une série de directions pour pouvoir prendre la vie. Pour aider à conseiller la conception qui t'a supposé unique à vous-même et qui va faire vivre la vie très bien et je suis un bon Dieu vrai vivre. Et de plus, ça, c'est un processus qui est profondément spirituel. Un processus qui a nos motivations. Un processus qui a pour aider à grandir selon le genre que bon Dieu m'a donné.
un processus qui là pour quitter mon Dieu diriger et pour faire confiance dans lui-même pour capable jouer une sacrée une bonne signification de la vie et pour capable jouer une sacrée un bon objectif avec un bon vivre la vie jointable. Ou bien 360 degrés dans la vie. Mais ou bien yon qui unit à vous-même. Et à ce moment-là, je suis pour nous capables d'admettre, nous tous faisons des mistakes. Pas de bon famille sous terre. Pas de bon madame sous terre. Pas de bon église sous terre. Nous tous faisons des erreurs. Et malheureusement, il est presque impossible pour ta caméra, ou du moins pour ta réfléchir pour combien de pommes ça coûte. Et parfois, il coûte plus que son opposé, malgré ce petit crasse erreur que vous faites. Et pour montrer comment degré ça me plaît parler de lui, dans la vie, il est important. Et qui dégage un degré qu'a fait dans la vie, je vais prendre exemple de moi. Un avion, côté que. On dit. Erreur de yon degré pour faire. Qui ça, il a coûté. Mais on sait des statistiques. Que on montrait dans l'avion, l'avion a volé. Je dis pour chaque degré, yon avion volé. En dehors de ta gueule, pour yon, il volé en dehors de ta gueule. La plaque de trajectoire de 92 pieds. Pour un petit degré, ça veut dire que si tu as supposé voler comme ça, mais il volait comme ça, la plaque de trajectoire de 92 pieds. Et pas moi qui dis, c'est nous qui lis le bon livre qui fait avion. Et on dit pour chaque 60 mètres, il volait en l'air. La mise. Ta gueule n'est pas yon mal, pour chaque 60. Ça veut dire, on nous prend exemple de Fort Lauderdale à Port-au-Prince, il y a 724 mal, l'avion volé. Si l'avion lacté, ta gueule n'est pas yon degré, ou arrivé à Haïti, mais on ne va pas tomber par le prince. Ou arrivé à Haïti, mais on ne va pas tomber par le prince. Ou va tomber l'autre côté, mais ce n'est pas par le prince là. C'est pour qu'un avion qui arrive dans ta gueule, où il a besoin d'un système informatique qui est bien sophistiqué, avec un pilote qui est bien sacré les têtes sur l'épaule, pour être capable d'évaluer un certain information capitulée, et ensuite effectuer un certain correction si nécessaire pour quitter l'avion sur trajectoire. Et quand vous arrivez à l'avion là, c'est pour nous dire nécessité pour gagner une navigation. Qui réactive et qui précise dans la vie spirituelle, il est plus important que l'avion qui gagne en navigation là-dedans. Et pour gagner la vie spirituelle, c'est un bon target. Pour capable vivre une vie qui est bien, je vous dis d'ailleurs, ça demande une analyse qui continue et ça demande. On sait de correction pour faire dans la vie chaque jour. So, après que je t'explique tout ça là, question qui est pour vous, are you okay with one degree mistake? Est-ce que vous sentez ou à l'aise pour capable faire une erreur de seulement un petit degré? Are you guys with me? Est-ce que vous okay pour capable faire un petit péché? Est-ce qu'on est pour capable de pécher seulement de un petit degré? Prions le Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parlez et permets à ce que ton peuple soit capable d'édifier à sa vie au nom de Jésus. À première vue, si vous ne pouvez pas connaître, si vous ne pouvez pas comprendre, et si vous avez un big deal pour capable faire un événement de 1 degré. Il n'est pas semblé un gros problème, mais l'homme a réalisé qu'il s'est en degré. Si péché, péché, on dit qu'on tire à commettre dans la vie, ou à priver d'accord avec elle, même pour un petit degré
It's not acceptable. Il pas acceptable parce que juste une petite différence fait toute différence pour pas penser. Et c'est pour la raison pour laquelle l'histoire de Saül explique ça très clair. Et si ça va me déranger, je vais demander pour ouvrir Bible ensemble avec moi dans 1 Samuel 13, versets 5 à 14. 1 Samuel 13, versets 5 à 14. Dans l'air, nous sommes libres. Ce n'est pas l'île de l'Italie, c'est la même histoire. L'île de l'Italie, parce que vous devez nous connaître, c'est mon Dieu même qui t'a choisi Saül, qui t'a voulu Saül comme moi. Nous voulons ça et mon Dieu dit Saül pour l'aller, pour nous-mêmes Saül. C'est pas vrai? Mais quand on a un livre, 1 Samuel 13, verset 5 à 14. Et là, nous tous, Dieu nous dit Amen. 1 Samuel 13, verset 5 à 14. Là, nous jeunes nous dit Amen. 1 Samuel 13, 5 à 14. Il dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il veut camper à Mishma, à l'orient de Bethlehem, verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait au point de lui tremblait. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrives pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Et il y avait environ 600 hommes. La vie de Saül, bon Dieu t'a été choisi. Roi Israël, premier livre de Samuel, non, parlez-nous de lui. La vie de Saül commençait ensemble avec de grandes promesses, mais malheureusement, elle finit tragique. Au début, Saül, pas de monde qui pibe le garçon passé. Pas de monde, bon Dieu devait choisir si mon Dieu Saül. Il y a tout avantage d'aller sortir dans la famille qui a un gros nom, parce que les gens passent dans le pays quand ils étaient là. Même si tu es Saül, tu as gagné quelques petites faiblesses dans la vie. Mais malgré ça, bon Dieu a choisi Saül pour être capable de premier roi pour le peuple israélien. Et les Écritures nous disent que Dieu a promis d'être toujours avec lui. Il promet qu'il va avoir le cœur et de transformer à leur monde. Et qui dit, ouais, avec l'aide papa, mon Dieu, Saül, c'est un roi qui était magnifique. Il réunit le peuple et combat Ammonitio. Il bat, il faut bien battre parce que Ammonitio t'a rendu la vie impossible. Mais malheureusement, puis devant, on a
tende, fè pèp Israel la vin pè, e yo telman terifiè, yal serè, an barajè nan rak boa, yal serè nan simitiè, yal serè nan tou wòch, yo bliye, ki moun yo tap servi, e sè talon ke, yon an kidnan ki se Saül bezwen aid. Et le prophète Samuel a envoyé une lettre à Saül pour faire ça connait ou pas besoin d'occuper mais même en tant que serviteur de l'Éternel m'a venu et m'a offert un sacrifice à l'Éternel et m'a consulté papa mon Dieu. 7 jours passés. Saül sentit c'est une éternité qui pas attendre. Et finalement, tellement il n'a pas attendu le corps, il réunit le peuple. Il réunit le peuple pour faire un bagage, il n'a pas même le droit pour le faire. Il réunit le peuple, il décide qu'on allait même pas offrir sacrifice pour tes pas. Et mon Dieu qui est envoyé d'Israël, serviteur à une côté, c'est lui-même qui peut offrir sacrifice. Ou pas besoin qu'il paye autant de vie. 7 jours seulement. Il offre le sacrifice. Les Samuel arrivé, je me souviens dans le texte, que Samuel cassé. Et il dit, Saül, mon cher, pas moi qui sort, papa. C'est seulement où tu es fautitan. Mon Dieu t'a établi dans le royaume ça pour tout un temps. Mais parce qu'on va te garder assez, et bien depuis je dis, hein, pour vous finir, ou pas qu'à régner. Royaume ça encore. Dis-moi qui chita à côté là, on va faire titan toujours, on va attendre toujours. Dis-moi qui chita à côté là, on va attendre toujours, on va attendre toujours. Oh, joue ça, Samuel crasé. Parce que je ne peux pas comprendre pour qui ça souffre son peuple ça, pour Saül perdre autodiscipline pour aller tomber dans cette tête. Saül perdre tête pour tomber dans mauvaise route. Parce que le peuple a bas de pression. Ils ont oublié qu'ils nous ont servi. Ils ont pensé, le peuple qui a été écrasé, on s'en va avec Gosha qui est guerre. Ça y est, pas qu'à temps, elle est tombée dans un petit péché. Et c'est là que parfois, un petit péché, un petit erreur dans la vie, qui a coûté un homme. Il n'y a pas d'importance, mais il va le cost your life. Et différence entre un petit péché ou du moins un petit degré de péché. Même Jean Saül pas qu'attendre le prophète Samuel non, pour dit en brèche. Il a parlé petit, c'est vrai. Mais au fil des temps, quand il a mis nos mains, c'est pas quand on t'a flayé. Mais t'es quoi, pas des gens qui avaient fini mal dans la vie, ça. Bon, en pire fois, même Jacques Saül, nous espérons que les décisions que nous parlons, ce sont des décisions qui sont bon pour nous, malgré nous sentir que nous tirons la donne. Mais c'est l'air trop tard. Quand vous réalisez que vous prenez et pas bonne direction, c'est là ça on a fait vous battre. Parfois, il y a quelque chose. Parfois, il est trop tard. Et moi, c'est quoi? Dans l'histoire, ça y est, ça n'a plus de leçon pour ni moi-même ni vous-même capable de tirer la donne. Il y a un pire tiré. Il y a un pire dans l'évangile. Qui peut dire pire conséquence qui tue, qui peut dire pire conséquence qui charge avec douleur dans l'homme. Et c'est ça que fait. Nous supposons que qui est important pour nous capables de chercher des disciplines dans la vie, nous. Pour nous commencer à chercher à corriger la vie, nous. Pour nous capables de mettre sur le bon chemin, hein? Pour ne pas espérer tomber dans tes têtes. En plus, nous espérons que quand pire tiré nous fait, et quand il y a un marché fait, on joue comme ça, il a changé de tête par eux. Mais je dis à même si ce n'est pas une bonne décision, il a toujours été avec. Et plus nous sommes hommes, c'est plus de nécessité pour gagner. C'est plus des avantages que pour gagner pour tourner sur le bon chemin. Et la vie de Saül expliquait, j'aime toujours très clair. Saül partait échouer du jour au lendemain. Nous voyons depuis de son rêve, c'est le monde qui depuis un qui a existé dans le pays.
Mais les fierté, comment c'est fait tête, ça y est, toi, gros, il est tombé dans fait tête. Au monde qui était tellement humble, au monde où Dieu était choisi, il est impatient. Et il décidait d'entrer dans le bagage qui paraît d'Adèle. Le bagage qui paraît de droit pour le faire. Et c'est ça qu'on dit, qu'il est petit, qu'il est gros. Que c'est petit péché, que c'est gros péché. Bagay sa pa gen jwenn la dan, fò obeyi a sa bon Dje mande ou pou fè. E lè ou konsidere sa bon Dje te fè pou Saül, bon Dje benim, i wè kom wa Israel, i ba pouvoi an tanke premye wa Israel. Bon malheureusement, malgré bon Dje ta fè tout bagay sa ou pou Saül, Saül pa jèm soumèt devan bon Dje. E fò mou dou jodi an, succès dans la vie, ni moi-même, ni vous-même, il dépend d'un seul bagage, sinon que, qui c'est obéir à sa bon Dieu, mon Dieu, pour faire. Et si on obéit à sa bon Dieu, mon Dieu, pour faire, ni prière, exaucé. Non seulement, ni prière, exaucé, bon Dieu va quitter nous sur le chemin. Il y a des gens qui sentent qu'ils sont trop bons déjà et n'ont pas senti nécessité. Pour faire une série de corrections dans la vie. Il y a tout qui croient déjà trop loin et qui n'ont pas à tourner encore. Mais je dis après la belle nouvelle de la rédemption, sous-sentir, au nez, bon Dieu, sentir ou non, il n'est pas jamais trop tard parce que bon Dieu est toujours là, l'attend nous pour retourner. Ou de la pas facile. Il n'est tellement pas facile et ça exige ou capable de faire une série de changements. Ça exige qu'on soit capable de gagner une série de disciplines dans la vie. Ça exige qu'on soit capable de prendre une série de détermination parce qu'on peut arrêter les conditions qu'on trouve là. Oui, il a dit. Mais ce qui est plus belle, c'est qu'à la fin, nous connaissons ça, nous trouver la donne, non? C'est ma belle bagarre. Ou pas là pour condamner. Parce que ni moi-même, ni vous-même, c'est petit bon Dieu que nous y sommes. Bon Dieu, vous prenez nous, même si vous êtes là, vous êtes déjà difficile. Bon Dieu, là, les gens là ont déjà coincé pour nous. Ils comprennent nos douleurs. Ils comprennent chacun de nous. Ou pas besoin de battre tout problème parce que c'est lui-même qui a dirigé la vie. Ou pas besoin de battre tout problème parce que c'est lui-même qui est là pour consoler. Seulement, fortifiez-vous. La guerre où nous voit, marchez bon côté. Et il est là pour être tout côté. Malheureusement, ça y est. Was just a double-minded man. Dans toute sa affaire, il bat déjà pour les soumis à papa bon Dieu. C'est celle parler au lieu qu'il agit de faire bon bagage. C'est celle faire excuse et puis faire tétérion. C'est offrir sacrifice au lieu qu'il obéit à bon Dieu. C'est garder la réputation à la famille que je suis là dedans, que à sa bon Dieu pour le faire. Mais pour les nommer une famille pour sortir là-dedans, ce n'est pas lui qui fait l'ordre. Ou quand sortir une grande famille, ça ne veut dire rien. Mais caractère avec intégrité, c'est lui-même qui est important devant papa mon Dieu. Caractère avec intégrité, c'est ça qu'on y est dans le fait noir et que c'est le bon Dieu qui a moins en fait. David, c'est un bon exemple. Parce que le monde qui a un bon caractère avec bonne intégrité. Pendant ce temps, pas de monde péché par cette vie. Mais la différence was, les péchés, ils reconnaissent ça, l'aller côté papa mon Dieu. C'est ça que l'on soumet tout devant mon Dieu, c'est pas qui est important. Et si vous lisez la Bible, vous après comment? Malgré tout cela, David, c'est seul monde qui était l'homme selon quel bon Dieu. Parce que chaque fois les péchés, ils cherchaient pardon. Et la Bible dit, celui qui court son péché ne prospérera pas. Mais moi qui confesse et qui renonce à péché, bon Dieu a bien pitié pour eux. Les caractères et l'intégrité sont solides. Et plus facile pour nous capables de faire la vie spirituelle. Ça n'a pas de bien en rien, sinon que l'autel était fait pour être capable de l'intégrer. David, au contraire lui-même,
Li te toujou a bel tèt li nan moun Dje. Sou li tout sa ou gen ekri yo, tout sa ou pou voli. Bel tèt ou nan sakre le, Seigneur Papa moun Dje. Avec la foi et la parole qu'elle mettait là, pour capable de guider ni moi-même ni moi-même. Marcher constamment ensemble avec lui. Aider le monde qui n'est pas capable de builder self. L'église vous la donne, non? Marcher chercher le monde qui peut me convertir pour capable de builder l'église, ça. Si c'est un bagage, ça, on est actif. Si c'est un bagage, ça, on est pas guettant. Vous avez plus de chance pour ne pas tomber dans le fait de temps. Et c'est ça que fait Psaume 37, verset 3, 23 dit, Seigneur, pas jamais quitter les hommes qui ont marché avec lui. Et content, les gens ont marché droite. Si ils ont tombé, ils n'ont pas prêté à terre. Parce que Seigneur a vu par la main. David tellement te comprend une parole ça. C'est ça que fait, lui-même était toujours cherché pour la guerre dans le papa bon Dieu. N'est pas nous qui a perdu ce chemin. Nous tous qui là, c'est dans l'une que nous y est. Parfois, nous tombons. And the reason why is because no one is exempt from temptation. Pas le monde qui est exempt. Je dis à ce frère X, devez se lever car c'est vous-même. Mais frère Maxime, nous comptons nous dire, nous guérons nous tomber. Parce que nous avons un problème là. C'est l'autre tombé, est-ce qu'on mettait à terre, c'est le problème. Mais heureusement, dans cette vie, mon Dieu qui compte, il dit, il met un monde qui a cherché à marcher droit avec lui. L'air tombé, il va quitter à terre, la plonger la même baille et la reprendre pour être capable de remonter. Et c'est ça que moi-même, Proverbe 3, verset 6 qui dit, non seulement mon Dieu a gardé les marcher, mais c'est lui-même qui détermine quand il a mis les pieds. Et c'est lui-même qui dit quoi faire pour nous mettre les pieds. Ça veut dire, ni sortir, ni entrer, c'est bon Dieu qui voulait passer Jean Vrien. Ni l'en coucher, ni l'enlever. Ni l'endormi, ni l'enlever. Ni l'en acheter, ni l'en vendre. Ni l'en parler, et ni l'en coûter. C'est bon Dieu qui détermine tout le bagage ça pour nous. Pas de rien qui est accident pour mon Dieu parce que c'est lui-même qui voit de moi et Seigneur des Seigneurs. Pas de rien qui est petit bon Dieu, ça c'est pas bon Dieu qui permet de libérer. Ou de la garde difficile et nous guérons pour nous tomber. Et c'est ça, là, c'est pour capable de nous mettre nous-mêmes. En pile confit, en pile bon garçon tombé. En pile monde qui était fidèle jeudi, hein? Demain, il est tombé dans sa place. Dans la journée, je dis, hein, ouais, worship, mais là, c'est pas possible de pas avoir bien pensé que tu es arrivé pour lui. Moun pas de courage pour aller pécher, pécher encore. Moun pas de la foi encore, donner la foi à marcher avec doute. Générosité même à marcher, ou du moins à suivre avarice. Et puis, moun qui est de bonté à marcher si bien à Ogos. La Bible connaît tout le bagage ça va être pour lui. Et le bagage ça va exister depuis longtemps. Et s'il existait de nos jours, c'est parce que nous ne voulons pas prendre conscience et parce que nous ne voulons pas reconnaître ça. Nous avons pris l'exemple de la Bible. Noé, par exemple. Noé était bâti l'argent pour dire à toute famille. Ils ont sauvé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? He got drunk. Bien mal. Lagé devant petit lui. Abraham. Fait mentir deux fois. Puis dit, Sarah, papa, donne nous. Nous sommes David. Qui l'homme se moque mon Dieu. Il tient mon. Mais il était cherché. Il était demandé mon Dieu pardon pour pécher Dieu. Nous sommes Pierre. Qui dépensait les pieds fort parce que tout l'autre disciple. J'en dis un qui a courage pour déclarer Jésus comme Seigneur. Il disait vous-même qui est Christ du Dieu vivant. Et puis quand il vient dans le chemin,
oublié, il dit pas de problème. C'est la vie. We all stumble. Mais c'est pourquoi j'aime ça qui est important. Nous tous qu'à tomber, c'est vrai, parce que le bon Dieu dit, même si nous tombons, il ne va pas quitter nos crasés à terre. Et tomber à quand n'importe quoi. Il y a une mauvaise calamité que nous trouvons là-dedans. Il y a perdu au travail. Il y a fait un mariage qui a crasé. Il y a son ami qui décide de jeter un peu pas amis encore. L'Ika, c'est un péché moral. L'Ika, c'est une série de choix insensés que vous faites dans la vie. Et puis, qui la gagne sur une mauvaise direction. C'est la vie. Nous tous qu'à tomber. Mais songez, vous Dieu dit, les petits qui tombent, ils ne peuvent pas quitter au casier à terre. Et bon, parce que c'est pas moi-même qui dit, et pas moi-même qui fait histoire ça, mais c'est la vie même. Qui gagne l'histoire ça. Et moi, c'est quoi si mon Dieu m'a mis dans la Bible? Nous ne voulons pas la réalité que nous gagnons en vrai. Veillez, je veux dire, pour victoire qu'on la donne, pour bon moment qu'on va mener la donne, ce n'est pas un way qu'on va faire pour qu'on capable faire demain. Parce que nous tous qui là, nous tombons. Si vous ne pas tomber, je dis, on va tomber demain. Gardez le monde qui tombe à vous dire ça pour lui. Parce que nous avons un mistake. Ni moi-même, ni vous-même. Nous ne pouvons jamais penser que le péché a mon péché. Ça péché d'ailleurs, pas péché pour nous encore. Quand il y a un péché, péché pour ce pépé. C'est ça que nous disons que le petit péché est mon péché. Il est dans l'église. Au monde, il va dire it's okay. Bon, on a allé là, on a adulté, it's a big deal. Because, sous bel menti, it's just a one degree péché. Bon, toi, on a adulté, no, that's a 360 degree of péché. Now, I'd like to know what's the difference. Ou bel menti, it's one degree. Menti, ça tue toi, boum, it's still one degree. L'autre, la Bible, là, il est venu à vos votes, everybody sins it. Oh, that's 360 degrees péché. Si 1 degree, we can't deal with that. Mais si 360, mais ça dit 360 dans 3 mots, nous ne pouvons pas dire l'affaire. Pendant ce temps, mon Dieu dit tout péché, c'est péché. Qui était 1 degré péché? Qui était 90 degrés de péché? Qui était 180 degrés de péché. C'est même 360 degrés de péché dans un même cercle. Et ça qui est maintenant, c'est que c'est parce qu'on ne va jamais réaliser. Il y a deux péchés en fait chaque jour. C'est les mêmes qui vivent égal à 360 degrés de péché. Parce qu'on fait chaque jour dans la vie. Chaque terre arrivée. C'est ou bien on vire avec un degré de péché, ou bien on vire avec un degré de ça que Dieu m'a demandé pour faire. Je vous demande pour vivre, qui permettent à faire aller à nos bonnes conditions. Est-ce qu'on d'abord pour vivre avec un degré de péché? Ou du moins, est-ce qu'on d'abord pour continuer à avoir des péchés, just one degree of sin? Parlez-moi à nous, passez pour parler. Je dis où c'est ça. Demain, parlez plus pour le gars où passer. We all stumble. Guérons-nous, c'est parler mal à nous qui fait 360 degrés. Guérons-nous, c'est les mêmes actes pour vous. Guérons-nous sur la question de fierté de Jacques Saïd. Tellement de renommée, vous sentez qu'on est là, tout souffert, c'est l'équipement. Ça n'est pas un Dieu qui n'a pas la mort parce que vous-même, c'est qui vous ou du moins, pour tellement de chrétiens, ça n'est pas un Dieu qui chrétien pour vous. Mais maintenant, vous pouvez nous dire, les bon Dieu parlent, tendez. Les serviteurs de Dieu vont vous message pour vous.
accepté. Matthieu, moi, je vous dire, chaque jour dans la vie, il faut continuer à faire une série de corrections. Si vous parlez à Dieu dans le lieu, pour pécher l'eau accumulée de 360 degrés. Vous ne pouvez pas dire, si ce n'est pas le dernier jour, la pierre. De ces moyens, vous considérez petit péché, ça comme just one degree. Pendant ma parole avant l'an, this could be the last degree of your life. You don't know. I don't know. Nobody knows. Period. Mais ça qui est important, c'est une nécessité pour gagner un bon navigation spirituelle dans la vie. Une navigation qui a été grandie dans la parole de Dieu. Une navigation qui a été arrêtée sur la bonne route que mon Dieu a tracée pour vous. Une navigation qui a fait les bagages du bout pour vous, pour prendre pression pour être dans le pied éternel. Une navigation. Les gens ne sont pas prêts pour connaître mon Dieu dit pour ça, ils ne peuvent pas quitter la terre. Une navigation qui faut comprendre. Vous servez mon Dieu qui est grand et s'arrêter en bas de lui. Ou pas prêter à terre. Mais la montée ensemble avec vous. Et on a quelque chose pour vivre une vie qu'elle était tracée pour vous. Et vis ça, il va non seulement sortir ça, mais pour tout le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.